Yo les amis, oula, je vous jure, Paris-Bruges. Qu'est-ce que c'était ce match? Bon les gars, avant de parler de ce match, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Bon les gars, match catastrophique du PSG, premier match de Ligue des Champions contre Bruges, qui est censé être l'équipe la plus faible du groupe du PSG. Et déjà on galère, on fait un match nul. On galère déjà, ils ont plus d'occasions que le PSG, plus de tirs cadrés. Un partout, on peut être content quand même, un partout. Ils auraient pu mieux faire quand même, Bruges. Mais bon, les gars, c'est catastrophique. Même. Je sais pas quoi dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avec le PSG? Chaque année, c'est pareil. Les phases de groupe, là, les matchs de poule, tout le temps galère. C'est tout le temps galère. Hein. Jusqu'à la troisième journée, quatrième journée, on est presque sûr d'être éliminé de la Ligue des Champions, les gars. Presque sûr. Je suis sûr, cette année, ça sera pareil. Cette année, ce sera pire, les gars. Parce que cette année, il y a quand même Manchester City. Hein. On va pas les battre, hein, c'est pratiquement sûr. On va pas les battre sur les deux matchs, les gars. Donc s'il fallait gratter des points, c'était contre Bruges et Leipzig quand même. Et là, on perd déjà des points contre Bruges. On risque de finir en Europa League. Là, c'est galère. C'est galère, là, les amis. En plus, une équipe comme le Paris Saint-Germain, il y avait les trois fantastiques, Neymar, Mbappé, Messi, rien que dalle. C'est Herrera le héros de la soirée. Keylor Navas et Herrera, surtout Herrera qui a bien joué, en plus qui a marqué le but. Le meilleur Parisien, il n'y a rien à dire. Et donc voilà les gars, il n'y a rien à dire. Et Bruges qui marque, Bruges qui égalise, surtout Bruges qui a plus d'occasions. Bruges, je ne sais pas quoi dire. Bruges qui est censé être l'équipe la plus faible de notre poule quand même. Après, il reste Man City, Leipzig. Ils ont fait un beau match en plus, Man City, Leipzig quand même. 6-3. Eux, ils vont marquer hein, contre nous. Ils vont marquer au moins un but, voire plus. Donc nous, déjà, il fallait gratter des points là, on les a pas grattés. Donc là, c'est galère, hein, les amis. Je sais pas ce que ça va donner, mais je sens que ça sera comme les années précédentes, quoi. On va galérer. À quatrième journée, on n'aura que 3 points. On va se demander quoi faire. Peut-être qu'ils vont tenter quelque chose, mais après, il y aura Man City en face. Et voilà, ils vont finir par être éliminés s'ils continuent de jouer comme ça, le PSG. Il faut se réveiller, là. Je sais pas quoi dire, mais bon, les amis, ça c'était le match Paris-Bruges. Il y a eu Leipzig, Man City, très beau match quand même. Un triplé de Nkunku, ancien Parisien. 6 buts pour Man City. Donc voilà, les gars, ça c'était. Il y avait eu plusieurs matchs aujourd'hui aussi, des beaux matchs quand même. Mais bon, les gars, c'est tout. Bon. Paris, pas grand chose à dire. Hein. Je sais pas ce qu'ils vont faire après. Il faut se réveiller, je sais pas. Quand même, ils avaient bien commencé. En Ligue 1 et là en Ligue des Champions, ça commence déjà les matchs pourris là, les matchs, les vieux matchs comme ce soir. Bon les amis, merci quand même pour merci pour tout. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner.